La presse parle que tu es télévisé. Nous venons là. Le fait que nous te quittons Haïti. Nous te quittons pays. Hein? Et nous te répondons à une invitation. Conseil électoral. Pays Venezuela te voué ban nous. Je t'ai invité nous pour nous observer l'élection que tu as faite dans le pays Venezuela. Mais femme dit nous bien, tout bon pied nous connaît, nous avons débarqué dans le pays Venezuela. Ça n'a pas de cas aller, nous avons représentant. Et son victoire, et pas seulement pour le pays Venezuela, non? Son victoire pour la gauche. Je dis à nous jouer une bout. Comment pour nous gommer avec le système là? Eh bien, le système capitaliste là, il était impuissant face à peuple vénézuélien, hein, avec tout l'autre monde qui doit faire solidarité avec le pays Venezuela. Nous tous au courant, nous sommes dans le pays Venezuela. Et vous m'avez resté là, nous allons jouer avant l'élection. Raphaël, ancien président du pays Équateur, était là. Il y a un président du Parlement bolivien qui était là. Capitaliste là, prend un gros coup. Et nous tout ouais, même les Américains ont investi en pile l'argent pour être capable de boycotter l'élection, ça, ils pas capable. Parce que le peuple vénézuélien est déterminé. Nous entendons en pile critique à fait sur l'élection, ça, yo. Américains nous entendons qu'à faire brio, j'ai cherché à faire. Honte, honte. Parce que vous êtes ouais. Ça que tu as passé à tant que tout le monde. Joue votre là. Et avant même, nous t'ai parlé de situation ça. Quand tu as gagné en plein pile parti politique, à peu près 107 partis politiques qui t'ont participé dans la dernière élection dans le pays Venezuela, 70% dans eux, c'est partis qui sont dans l'opposition. Ça veut dire, c'est ton élection inclusive. Je dis, hein. Je ne peux pas comprendre comment les États-Unis font après cette élection qui passe dans le pays et Venezuela. Nous tous connaissons tout. Son victoire tout. Pour particulier, ou bien structure, ou bien plateforme, qui est le grand polo patriotique. Simon Bolivar. Ça veut dire, nous avons dit petit Simon Bolivar. Donc, nous avons un petit désalé en Haïti. Eh bien, il y a 67% de monde qui passe dans l'élection, ça yo. Ça veut dire, 67% ça veut dire, pas le Parlement qui contrôle, pas le parti qui avait ça, avec allié, ça veut dire, il y a 10 autres organisations qui regroupent ensemble avec yo. Nous avons Action démocratique tout, qui a même 14% dans l'élection, yo. Nous avons Parti communiste, il y a même tout, il y a 2%. Et il y a UV, nous avons l'unité des peuples vénézuéliens, nous avons même tout. Yo gen à peu près 4% et gen 6% l'autre parti yo qui yo même pas gen gros force qui gen élection yo. Pour qui ça n'a pas analyse n'a fait analyse ou n'a pas information ça yo? C'est pour nous combattre moun ka parler mal et nous voulons arriver sous gouvernement haïtien. Gen 31% moun qui t'a voté dans pays Venezuela. Ça veut dire 5 264 000 qui t'a voté. Qui s'est passé? Je dis, en même temps, le gouvernement haïtien, ensemble avec Aliel, nous donnons Jovenel Moïse, qui lui-même, nous donnons dit, c'est ton élection frauduleuse. Bon, mes amis, t'es quoi l'élection en Haïti qui t'a fait? C'est 5% de monde qui t'a voté. Américain, t'es pas de bravo pour lui. Mais qu'on a quoi l'élection qui fait? 31% de monde qui voté dans l'élection, ça y est, nous donnons Américain à dit, son élection qu'elle pas reconnaître. Ensuite, Jean Moïse parlait de yon élection frauduleuse. Système qui gagne dans le pays Venezuela, système électoral là, ou bien machine électorale là, li pi fiable parce que tout pays dans le monde là, alors que c'est Venezuela même qui produit machine ça yo. Li pi fiable parce que élection aux États-Unis. C'est pas l'élection mon café qu'on la donne. Moi même moi je Charles, tout côté qui sensible qui est installé dans le pays Venezuela, il est accepté de le visiter. Pour me dire, ouais. Et, je dis,
Nous ne pouvons pas faire porte frapper Venezuela, non. Mais nous décrivons la réalité. Comme nous-mêmes, la presse parle et qui était télévisée, nous partons dans le pays Venezuela, c'est nous qui sommes présents, c'est normal pour nous dire le monde entier. Mais ça qui est passé dans l'élection, nous avons fait une conférence dans le pays Venezuela déjà, et à chaque jour, nous avons fait une information que nous avons des processus électoraux là. Je dis, je ne peux pas comprendre pour les Américains penser des pays, y compris le pays d'Haïti. Mais il y a les journalistes de la son esclave, Michel, tout bon, oui. Ok? Quand on ne peut pas comprendre, ça qui passe, vous entendez, ils ont condamné le processus électoral là. Je dis, c'est pour payer qu'on est. Le monde entier doit qu'on est. Pays Venezuela font victoire. Et vous entendez la déclaration du président Maduro, il baptise l'élection, grande victoire. Et Michel dit encore, et mon serviteur, l'Assemblée nationale, nous, comment ça veut dire? Ça veut dire, toute vieille loi, toute vieille accord. Juan Guaido, qui lui-même t'a signé à soi avec l'Amérique ou avec l'autre pays, eh bien, qui s'est passé? Le fait que une nouvelle assemblée, hein, nationale, parti qui sous pouvoir a 67% là-dedans, toute vieille loi, toute vieille accord, par exemple, va le craser. C'est ça qui va le gagner là dans le pays Venezuela. L'homme américain qui est en dénoncer l'élection, hein, pour le dire pas bon dans le pays Venezuela, c'est parce que toute saleté fait Guaido signé, eh bien, bagay ça y est, il va l'huile. Et Kounia, Maduro qui était un président pour pétrole, je dis à parler un président tout bon vrai, parce qu'il parle un parlement avec elle. Je dis à son victoire bien méritée de la gauche, son victoire bien méritée des pays Venezuela, qui même parle pour l'autre cap, et qui ça nous parle dit, parlement pour le monter, il y a une mission pour être capable de stabiliser le pays, et pour prendre toute qualité de décision pour récupérer tout ça, soi-disant, un président parlement, te bail pays américain avec l'autre pays allié. Pourquoi il était important, nous, petits de Saline, nous battons dans le pays Venezuela comme un leader politique, mais nous sommes allés comme un personnel, nous fait confiance, qui gagne un minimum de confiance dans le monde, pour nous parler, pour nous dire exactement ce que nous. En gros, pourquoi c'est important pour nous faire un petit bilan de ce que nous dans le pays Venezuela, des processus électoraux, mais ce n'est pas ça seulement. Pendant l'autre bord, nous avons dit qu'il n'a pas augmenté. Fais pas ici. Soit l'État va camper que son kidnapping dans sa dit complice. Si l'État va complice, il va camper que son kidnapping. Il va camper. Deuxièmement, nous tenons la police pendant que nous sommes dans le pays Venezuela. A PCF, on sait des actions, on sait des quartiers populaires. D'accord, oui. Mais, par exemple, bon point au monde. Ou t'as pas de par exemple. Et pour tirer la pli, par exemple, demain matin, il y a 4 pli qui apparaît, oui. Pourquoi on bat une question de kidnapping, une question de violence dans le quartier populaire? C'est gros mains qui sont dans le secteur économique. C'est gros mains qui sont dans le pouvoir qui là. C'est gros mains qui sont dans le secteur politique. C'est eux pour couper. En tout cas, nous-mêmes, nous voulons rassurer les pays. Toute élection qui est mal fagotée, il n'y a pas de l'autre bagaille. Mauvaise gouvernance. Corruption avec question insécurité. Ça le dit qui ça? C'est pour nous stopper question vie élection dans le pays. L'autre bagage encore, nous avons Jovenel Moïse à prendre décret sur décret. Jovenel Moïse même osé pour le bon décret depuis que nous avons mis des barricades pour boule caoutchouc son acte terroriste, mes amis. D'après Jovenel Moïse, bonjour Jovenel Moïse, pas de goumé pour nous tenir constitution ça. L'époque où c'est un jour, nous avons fait parler. Et pour moi, c'est un jour qui a venu craser la démocratie, nous avons fait aujourd'hui. Peuple haïtien, je vous fais pas tomber dans l'eau, ce n'est pas un jour de plongée. Nous cassons rendez-vous 7 février 2021 avec Jovenel Moïse. Écoutez, je viens là tout. Pendant nous pas là, mes amis, journalistes nous témoignent. Dollar est baissé. Puis pourquoi tu as commencé à baisser? Où est-ce que c'est banque FM? Ou bien fait nous-mêmes comme un bagage dollar qui est ensemble avec le produit qui est haut, fait nous nos décisions, nos dossiers politiques. Où est-ce que fait nous? Yo fait l'idée politique attaquer nous. Nous pas de temps pour nous dire question de la question politique à monter pour nous une activité politique seulement. En Kounia, pendant ça, pendant ce temps, nous avons monté dollar, mais ces dames qui ont même un peu important dans le pays,
il y a essayé montrer, il y a essayé monter pour dire encore. Peuple haïtien, nous te baon délai, nous vinn dire délai à bout. Délai à bout, si moun ki gen banque yo, si moun ki gen gros entreprise yo ka important dans pays a. Yo pa besoin payer même ça. 7 février 2021 avec Jovenel Moïse, conformez-vous. Parce que nous clair sur ça, nous pas pour le déplacer en plein dans le pays, nous pas faire confiance encore facile, mais nous venons uniquement pour mobilisation. Si nous parlons avec un peuple haïtien, nous tout a plongé. Nous venons lancer un appel. Tout secteur, nous dans le secteur religieux, nous sommes dans le secteur ouvrier, nous sommes la presse tout. Nous chaque, on ne peut pas faire ça faire nous. On fait front commun pour nous faire lever camper, généraliser dans le pays, pour nous finir avec tout mal qui a fait pays. C'est le bagaille, messieurs Bakio, peuple a compris nous. Si peuple a compris nous, mes amis, lâchez le bagaille là. Moun qui a fait porter yo, peuple a compris nous. Nous demandons nous lâcher le bagaille là. Si nous ne pas lâcher le bagaille là, nous prenons le pays en bagaille qui est plus grave. Passez les Jean-Claude Diva l'étape qui te paye. C'est ça que je viens de nous matin. En tout cas, la presse parle qui était télévisée. Nous comptons présence nous, mais nous prenons responsabilité nous, comme petite de saline, non seulement pour nous téléporter, appuyer nous, bail pays Venezuela, deuxièmement, pour nous condamner le gouvernement haïtien et le gouvernement américain. Pays qui voisin nous tous, qui ont même bail signature pour créer l'élection pays Venezuela, ils n'ont pas capable. Parce que le monde entier, ouais, tout ça qui est passé dans le pays Venezuela. Voilà pourquoi nous t'ai invité la presse parler, écrite et télévisée pour nous dire nous ne pouvons pas jouer avec ce qui est passé dans le pays et en même temps tout dans la décision américaine à point pour craser l'élection dans le pays Venezuela. Nous dit yo pas capable, tout ce qu'on a fait là, c'est pas pour le bagarre et pétrole vénézuélien au besoin. Merci en pays. Tout petit de Saligno, tout mouvement qu'a fait dans un pays, qu'a fait contre pouvoir, qu'a fait contre une banque, qu'a fait contre mon capé porté pour dans un pays, nous disons dans présent. Dans présent. Et je dis, nous te dit tout le monde, nous ne pouvons pas commencer le mouvement dans le mois de juillet. Nous avons fatigué trop. Financièrement parlant, physiquement parlant. Je dis, on va ça nous fait. On tire les tout coûte pour mettre tout point dans le balance pour nous chavirer payant, pour nous délivrer les paysans. C'est ça que je viens parler là, je dis. Les paysans, les gens le font, nous ne pouvons pas le faire jour. Nous ne pouvons pas quitter payant, disparaître, payant, c'est pour nous. Et nous content, nous sommes participés dans l'activité de ça dans le pays Venezuela. Yo, Victor Madulo! C'est une victoire des paysans. Merci beaucoup. Bon critique en plus monde fait tout. Moi dit comme ça pendant des situations kidnapping, insécurité à valer terrain dans pays a ou même qui bon pas bon dans pays a. Yo présenter ça comme une stratégie de campagne électorale menée pendant des situations pays a dans pays a dans grande difficulté. Soit qu'après pour nous. Moun mais en principe faudra dire que moun qui dit ça. Qui moun qui dit ça moi c'est moun qui va là. Les journalistes n'ont pas tenu à révéler ça, c'est ça. Bon qui moun qui dit ça en fait. Le journaliste n'est pas tenu à bon, révéler. Bon répondre yo. Moun langue longue yo. Cap dit ça yo. Ou pas qui qualité moun yo. C'est moun qui finit dans société a oui. Ou je moun moun bien attaquer moi Jean-Charles en Haïti. Ou pas je moun bien attaquer moi Jean-Charles. Ou pas toujours ou bien c'est moun qui finit politiquement et ou bien c'est moun qui corrompu. Ou bien c'est moun qui nul. C'est qui attaque moi Jean-Charles. Ou pas je moun moun essayer attaquer moi Jean-Charles. Bon pas la voix. Nous sommes jamais allés Saint-Michel de la Dalaye. Nous disons, nous prenons la question du conseil électoral, là nous l'avons dans la poubelle. Et puis nous venons pas de problème de ce que dit, mais moi je vais faire campagne. Campagne n'a fait rien, son campagne pour montrer que l'Américain ne va pas jouer cette fois-ci. Son campagne pour montrer le pouvoir ne va pas jouer. Son campagne pour montrer mon opposition ne va pas jouer. Cette fois-ci n'a pas de destin nous. Son campagne nous lance pour nous dire net banquio. Mais ça quoi arrive yo si on pas ranger quoi yo son campagne pour motiver les haïtiens pour faire victoire finale dans jour qui va venir là yo yo bon la main li pa dans la guerre sans pas faire entraînement oubli tout déplacement c'est entraînement tout pour m'a faire allez.